Chers pèlerins, bien le bonjour, je suis ravi de pouvoir vous accueillir en direct de Lourdes. La grotte est juste derrière moi, Marie est toujours dans sa petite cavité et elle continue sans cesse à nous montrer la source qui est son fils, qui est le Christ ressuscité. Alors nous sommes le 4 mai 2021, comme vous le saviez, nous devions tous nous retrouver autour de notre évêque, Mgr Jacolin, à Lourdes pour le pèlerinage diocésain. Malheureusement, les conditions sanitaires étant, le déconfinement n'étant pas encore suffisamment avancé, il ne nous a pas été possible, encore une fois, d'être présent à Lourdes. Malgré un sanctuaire bien vide, je peux d'ores et déjà vous annoncer que nous aurons la possibilité de nous retrouver pour le pèlerinage d'été, Lourdes au cœur de votre été, du 26 au 30 juillet. Les inscriptions vont bientôt s'ouvrir. Nous vous invitons donc à prendre rapidement contact avec le service des pèlerinages pour vous inscrire et venir vivre cette démarche à Lourdes. Bien sûr, il nous faudra respecter et suivre toutes les mesures sanitaires du départ jusqu'au retour, bien sûr en passant par les sanctuaires, mais ça je pense que maintenant vous êtes parfaitement au clair avec ça et ça sera avec une énorme facilité et surtout une grande joie de pouvoir revenir voir Marie dans toutes les conditions que vous voulez. Donc voilà, nous passons sur le sujet et soyons dans la joie de pouvoir revenir à Lourdes. Malheureusement, malgré les programmes de vaccination en cours, il ne nous sera pas encore possible de pouvoir faire signe à nos frères et sœurs malades pour venir à Lourdes. Alors, dans ces conditions, nous avons réfléchi un petit peu pour les faire participer indirectement à notre démarche de pèlerinage. Et donc, vous serez, dans les quelques semaines, invités à vous faire les ambassadeurs de nos frères et sœurs malades en allant ici et là les rencontrer à domicile ou dans les EHPAD pour recueillir leur intention de prière que vous pourrez ramener ici à Lourdes quand vous viendrez au mois de juillet, nombreux, je l'espère. Alors, les inscriptions ne vont pas tarder à s'ouvrir, donc n'hésitez pas à nous rejoindre à notre bureau des pèlerinages. Je vous rappelle le numéro de téléphone que vous connaissez déjà par cœur, le 02 51 44 15 56, à joindre Florence pour pouvoir faire votre inscription. Nous, Vendéens, nous savons combien la Vierge Marie est importante. Elle, ici à Lourdes, vous savez combien elle vous est chère et combien elle est là pour, encore une fois, vous rappeler qu'elle vous montre la source et la joie du Christ ressuscité qui est notre Sauveur. Alors nous sommes aussi à Lourdes avec cette petite délégation pour préparer un événement majeur qui commencera l'an prochain, enfin l'année prochaine, l'année pastorale prochaine pour être exact, au mois d'octobre, exactement le dimanche 17 octobre 2021 à Saint-Laurent-sur-Sèvre. À cette occasion, nous rejoindrons le pèlerinage des Montfortins pour pèleriner ensemble et pouvoir ouvrir une année mariale qui se déclinera sur le thème « Avec Marie en route pour la mission ». Et ce sera autour de notre évêque, Mgr Jacolin, que nous ouvrirons cette grande année mariale dont d'ici quelques temps, nous vous dévoilerons les contours. Chers pèlerins, nous sommes ici à Lourdes pour quelques jours et bien sûr, vous êtes avec nous. Nous portons toutes vos intentions de prière, toutes les intentions de prière que vous avez dans votre cœur et nous allons les déposer d'ici quelques temps avec la messe à la grotte qui commencera dans quelques minutes à 10h au pied de Marie. Nous sommes vraiment de tout cœur avec vous, nous prions pour vous et nous espérons à très vite.